la bonne scène. Ouais, c'est ça. Attends. Voilà. T'es prêt? Vas-y. Attends, mais ça, c'est notre studio ce matin. Attends, attends. Je vais juste vérifier un truc. C'est bon, ça me dit. Nous y voilà. Salut. Tila et Loulou, sympa ce petit studio là. Vous allez bien les crustacés? Eh, c'est qui là, frère? Crustacés, c'est le truc à chaque fois. Voilà, quand on vient ici, on a un peu envie de casser des choses, mais on va se retenir aujourd'hui. On va plutôt casser une amitié. Je pense que c'est plutôt ça. Oui, on va la briser en deux. Clairement. Alors, si vous vous demandez ce qui est en train de se passer. Oui. Désolé, je stresse de fou. J'ai envie de pisser dessus. Je vais vous expliquer. Vous avez peut-être vu YouTube Warrior 4. Si vous ne l'avez pas vu, c'est le moment d'aller voir ce. Voilà, oui, on a perdu YouTube Warrior 4. Ceux qui ont le live. Je vérifie que le live marche bien, désolé. Écho, ok, désolé pour l'écho, mais on oublie. Attendez, je vais nous muter. Non, je peux pas nous muter. Je baisse. Ah, c'est un extrait choisi au hasard. Vraiment, de manière objective. Eh bien, nous l'avons gagné, ce YouTube Warrior. Enfin, Cyprien, excusez-moi, on l'a perdu. Et vous savez ce qui se passe, en gros, quand on perd, c'est pas bien. Il y a le gage. Par contre, c'est cool parce qu'on peut diffuser ce qu'on veut sur la chaîne des perdants. C'est ce qu'on est en train de faire. Du coup, on a eu le login et le mot de passe de la chaîne de Bigorno et Coqui Merde. Je les insulte sur leur propre chaîne. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est vraiment curieux. Il y a eu plusieurs gages. Voilà. Depuis l'histoire des YouTube Warriors, depuis le 1, il y a eu une vidéo sur le taboulé. Oh, le taboulé! Il y a eu nos numéros de téléphone dévoilés sur tout l'internet français. Le monde. Le monde, finalement. Merci beaucoup, Jérémy. Merci. Il y a eu un store de t-shirts en ligne peu avantageux à l'effigie de la bœuf. Donc il fallait qu'on frappe fort, il fallait trouver une idée maligne, innovante, qui leur fasse du mal, mais en même temps qui fasse du bien aux gens que vous êtes. On a réfléchi beaucoup. Regardez, c'est du mal. Le but, c'était d'être au rugby. On voulait percuter et nous avons trouvé. Bon, je leur annonce, allez, c'est parti. Nous avons. Non, mais t'es fou. Quoi? Mais ne dis pas comme ça. Une idée comme ça, c'est de l'or, c'est du diamant. Tu peux pas juste donner un diamant comme ça. Voilà, ça c'est le backlight que j'aime. Alors, concentrez-vous. Ouais. Dites à tout le monde de se taire autour. Si vous êtes dans le bus, chut, le bus. Si vous êtes chez vous, chut, papa, chut, papa, arrête de boire. Chut. Je stresse. Il joue bien. Merci. Il joue bien. Il joue bien. Très bien. Très doué. Nous avons loué un théâtre dans lequel Cyprien et Squeezie vont devoir interpréter Roméo et Juliette. Oui. Quoi? Bien entendu. Rendez-vous le 31 Quoi? Janvier 2019. Quoi? C'est Squeezie. Reprendre cette fameuse pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette en live. Cette Quoi? Ça a été réalisé très vite, hein. Vous notez à quel point c'est allé vite par Antoine Lostic et un tueur vous met son Insta. Attendez, il y a un événement. Mais c'est bon, regarde, ce soir-là. J'ai une affiche. J'ai jamais sauté aussi haut. Attends, j'ai pas envie de voir la suite. Attends, on débriefe ça. Attendez, avant de regarder la suite, on va débriefer. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Attendez. Ils ont loué un théâtre pour faire. Pour qu'on fasse une pièce de théâtre, à notre insu, on n'a pas le choix, on doit faire cette putain de pièce de théâtre Roméo et Juliette le 31 janvier prochain. Mais c'est... Attendez. Là, on y va. Tu peux voler. Il est libre, Karl. Il y en a même qui l'ont vu voler. C'est incroyable. Perdre des amis, mais gagner de l'humour. De l'humour. Non, mais voilà, j'ai l'impression d'avoir perdu deux tailles de fuche. Je te jure, ça fait des jours qu'on garde c'est ça. C'est juste une illusion. Cyprien et Squeezie sont quand même très occupés, je veux dire, ils sont pas obligés de le faire. Ils vont peut-être pas, tu vois, vouloir, ils vont dire on est pas dispo. Oui, ils sont peut-être pas obligés. Cependant, néanmoins, la billetterie est ouverte et elle est en description de la vidéo. Il y a 500 places à prendre. Je veux dire, quand il y aura 500 personnes, ils vont avoir du mal à dire non. Ils vont avoir du mal Attendez, à dire. Ils vendent des places? Ils vendent 500 places? Ça veut dire qu'on peut pas ne pas le faire? Il y a 500 personnes qui ont acheté des places? Non mais c'est très bizarre, normalement. Mais, moi j'avais un c'est truc, nous qui initions un spectacle. Moi-même, alors que je connais ce gage, je suis atteint. C'est dispo, c'est là, allez-y, ça va partir comme attends, des cibles. Parce que dans 10 minutes c'est terminé. Attendez, il y a vraiment. Attends. Oh yes! Ça a craché! Continue à ne pas marcher, With Event. Continue à ne pas marcher. Tout le monde veut acheter ses places. Allez. Il y a combien? 5 millions d'abonnés? 500, ça fait 1%. 0,5%. Ouais, ça fait beaucoup. Pareil, moi aussi.
La place est à combien, le prix? La place est à 10 euros. D'accord. Et l'argent va à qui? À une association. Oui, oui. Bah non, autant que ça nous revienne à nous. Bah c'est notre spectacle, quoi. On veut l'argent. C'est vrai, l'association, comme les autres, c'est comme si on avait tout prévu. C'est une asso qui aide les personnes handicapées à vivre une vie comme les autres. Comme le nom l'indique, c'est une super asso. On est content de les aider tout en faisant souffrir nos amis de YouTube. Oui, l'idée, c'est quand même que ce soit win-win pour nous. Il y aura, vous inquiétez pas, metteur en scène, accessoires, lumière, c'est pas juste eux deux comme ça en train de rien faire. On va prévoir un truc. On va prévoir, on prend en charge toutes les dépenses, payer les gens, trouver les metteurs en scène, les comédiens. On va les aider, évidemment. Enfin voilà, Cyprien, voilà. Squeezie vont interpréter Roméo et Juliette au théâtre. C'est incroyable. On remet la fiche, tiens. On vous laisse là-dessus. Mais c'est un truc. On la met en split screen, on nous voit un peu derrière. Ouais, non, mais pas vous autant, juste rien. Ok. Prenez vos places. Ça va être la soirée de l'année, les gars. Et vu que vous nous entendez sans nous voir, regardez, je casse quelque chose. Merde. Ah ouais, d'accord. Ils ont fêté quoi, les chiens? Ils ont fêté quoi? Pourquoi Roméo et Juliette, c'est n'importe quoi. Oh, c'est ça le théâtre? C'est non, ça, c'est une photo de non, base. Non, ça c'est le théâtre. Je pense que c'est ça le théâtre qu'on va jouer. Attends, jusqu'à la fin, il y a des éléments de formatifs. Il y a plein. Le 31. Ah, oh, c'est un sketch. Oh. Mais c'est... Il y a un souffleur ou pas? Oui. Est-ce que l'event marche? Dites-nous si la page est toujours 400 gars. Elle ne sera à tout putain, jamais. Non, il y a trop de gens qui sont allés. Et en tout cas, c'est cool que vous fassiez ça pour votre communauté. Ouais, c'est cool. C'est ouais. Bien, ça change et tout. En fait, c'est bien. Vous innovez toujours sur les...